Celui-là possède une maison, deux pièces, trois vaches et une chèvre. Il nous doit donc trois écus d'or. Très bien que vous manquez d'hommes pour vous protéger, chandoyer. Qu'est-ce que vous faites ici, Robert de Sarrebruck? N'êtes-vous pas en train de piller et de rançonner les villages barisiens? Et qu'est-ce que vous avez fait de notre curé et de mon beau-frère? Oh, voilà donc des manières de traiter son invité. J'ai ici un contrat à vous faire signer. Puisque vous êtes maintenant le doyen de toute la communauté de vos couleurs, vous êtes dans l'obligation de me signer ce décret pour les impôts des villages parisiens qui sont sous ma protection. 220 écus d'or, sacrée somme. Mais je veux savoir, qu'est-il devenu à notre curé et aussi à Tisquin de Vitel? Pour l'érudit, j'en ai tiré une coquette somme à nos châteaux. Pour votre bon curé, cependant, nous avons dû l'abandonner sur la route menant à Paris où il avait contracté la peste. Nous devons se combattre sa maladie, alors qu'il est. Comment puis-je vous croire? Après tout le mal que vous nous avez fait. Allez-y, il va encore vous-même sur la route de Paris si vous ne me croyez pas. Oh, et voyez, vous devriez vraiment poster des hommes d'armes. Il pourrait être tentant pour les seigneurs provenant de vous tomber dessus. De Dieu. Ils détiennent Jeanne. Ah, satanée de jeune fille. Il fallait qu'elle se fasse prendre. Jeanne, non! Faites ce que vous voulez d'elle, on ne vous ouvrira pas les portes. Père, vous n'y pensez quand même pas? Jeanne, non, tu ne peux pas faire ça, c'est ta fille! Si on leur ouvre les portes, que vont-ils faire, à votre avis? Ils vont prendre nos récoltes, nos bêtes, notre si peu d'or, et peut-être nous faire prisonniers, ou peut-être nous tuer. Alors, vous ouvrez! La décapite! Hors de question qu'on ouvre les portes. C'est trop risqué pour tout le monde. Mais qu'est-ce? Saisissez tout! Prenez tout le bétail, trouvez l'or! Va porter ce message, Kadam. J'ai dit, Nancy, sans t'arrêter. Jeanne, ma jeune fille! Vous êtes fortunée, monsieur le doyen. J'étais venu avec beaucoup plus d'hommes. Je vous aurais tous amené au château du Nouveau-Vent. Ils vous auraient fait rationner à bout des coups! Qui a osé ouvrir les portes? Notable Jacques, j'ai fait ce que mon cœur m'a dicté de faire. Même les plus vulnérables doivent être sauvés. Qui sait ce que Dieu lui a destiné d'accomplir? Prochaine fois, curé, serrez-vous donc dans votre tête. Laissez-moi tranquille avec votre morale. Merci, Père Guillaume. Sans vous, qui sait ce que je serais devenue? Tu es bien gentil, Jeanne. Mais c'est à Dieu que tu dois la vie sauve. Je ne suis que l'intermédiaire. Dans ce cas, ça n'aurait messire le bon Dieu encore plus qu'à l'accoutumée. J'ai reconnu celui qui nous a dépouillé de tous nos biens. Il s'appelle Henri de Savoie, un meurtrier et un frère de premier ordre. Nous sommes bénis dans ce cas de ne pas avoir été égorgés par ce vaurien. Mais cela ne ramènera guère notre bétail ou notre or. Et envoyer un coursier vers la porte pour aller quérir l'être de notre ancienne dame. J'espère qu'il nous portera secours. Ce serait un miracle qu'il nous vienne en aide. Ici, il n'y a vraiment plus rien, à part quelques noix tombées de sec en toute hâte. Ils ont vraiment tout saisi, ce qu'on avait gagné depuis si longtemps. Au moins, il y a notre fontaine aux Roseliers. L'eau de nos rivières qui peut nous maintenir en vie. Cela nous fera gagner juste un jour ou deux. Rendu là, nous n'aurions plus qu'à prier et attendre que le secours arrive.
Madame, j'ai une lettre en provenant du château de la Muse. Mais qu'est-ce donc? De pierre, madame. Ils ont dérobé tout ce qu'on possédait pour vivre et notre art. Par Saint-Jean. Reprenez votre lettre. Envoyez cet écusson au comte de Vonnemont, en mentionnant que c'est pour le village de Don Rémy. Il saura alors quoi faire. Henri de Savoie, je viens ici récupérer les biens dérobés du village de Don Rémy et du château de la Meuse, par ordre du comte de Vaudemont. Il en va de soi. Faites donc, gentilhomme. Quel saut! Si vous pensez que je vais vous laisser faire? Peut-être une petite troupe d'hommes pourrait récupérer mes biens. Et donc, la route, une vie connue. Qu'on appelle mon maréchal! Miracle! Le Seigneur nous a entendu. Vive Saint-Jean! Monseigneur, qu'est-ce que c'est? Vous aider? Ce n'est rien, demoiselle. Épargnez vos bandages pour vos propres villageois. Votre message a porté ses fruits, monsieur le maire. Je vois. Il est notable, Jacques. Pour le moment, nous sommes épargnés. Et j'ai la forte impression que nous devons aller encore nous cacher à la Meuse et tenter de convaincre Notre-Dame et Robert de Baudricourt de nous porter main forte. Merci, mon Dieu, nous avoir épargné de la famine. Demandez ce que vous voulez, vous l'aurez. De par mon corps et de par mon âme, je vous en conjure. Jeanne, tu dois aller à Chinon.